Allez, on continue avec le style indirect. Le style indirect, souvenez-vous, on avait fait ce que. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se transformer en ce qui. Exactement la même chose. On va rester systématique et assez logique. Question, qu'est-ce qui te plaît ici? Elle me demande, continuer la question en transposant du discours direct au discours indirect, s'il vous plaît. Alors, Chériline qui me demande, est-ce que vous connaissez votre fréquence cardiaque au repos? Non, Chériline, je suis très mauvais, malheureusement, avec ces choses-là. Il faut changer le stimulus quand vous devenez plus en forme. Bah écoutez, il faut qu'on discute un jour, Chériline. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile de vous dire, mais je suis, en général, moi, les choses sont relativement basiques. Malheureusement, je ne suis pas un grand spécialiste de ces choses-là. Je cours, je veux faire des kilomètres pour perdre des kilos, parce que je sais très bien qu'un jour, je vais rencontrer Victoria Jacques et on aura 3 plats à manger, et là, je vais prendre des kilos. Alors effectivement ici, c'est relativement simple en fait. L'idée c'est de transformer, de transposer le qu'est-ce qui en ce qui quand on le transpose au discours indirect. Comme vous remarquez, il n'y a pas énormément de modifications finalement, hein. Elle me demande ce qui, bien sûr, vous devez changer et adapter le te en me. Elle me demande ce qui me plaît. Ici, très bien, Stardust doit partir. Au revoir Stardust et à bientôt. Bonne soirée à vous. Allez, on continue avec le numéro 2. Regardez, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? S'il vous plaît, transposez du discours direct au discours indirect. Merci. Allez, on regarde ensemble, effectivement, voilà, c'est la même chose, c'est pas très complexe à mon avis, mais on va regarder comment vous l'écrivez. Pour l'instant, vous l'écrivez très bien. Donc ici, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie va être transposé en elle me demande ce qui, puisque c'est l'idée de l'exercice ici, ces sujets m'intéresse dans la vie. Allez, on continue avec le numéro 3. Allez-y. Qu'est-ce qui est différent maintenant entre nous? Qu'est-ce qui est différent maintenant entre nous? Elle me demande. Allez-y, faites la transposition du direct à l'indirect. Alors Hellboy, les leçons directes restent-elles sur votre chaîne pour regarder plus tard? Oui, Hellboy, oui, tout reste. Donc il y a 6 lives par semaine, du lundi jusqu'au samedi, et tout reste. Donc vous pouvez regarder, ça fait un an, ça fait plus d'un an qu'il y a les lives, donc vous pouvez les regarder systématiquement, il n'y a pas de problème. Alors, regardons ça ensemble. Oui, ça c'est la même logique. Donc là, je regarde et ce que vous écrivez, ben, c'est très très bien. Donc pas de problème. Encore une fois, la même logique, hein. Qu'est-ce qui se transforme en ce qui? C'est pas tellement ça qui est le plus difficile, c'est effectivement de changer après et d'adapter les pronoms si c'est nécessaire. Ici, c'est relativement simple. Elle me demande ce qui est différent maintenant entre nous. Là, il n'y a pas de modification très très majeure, donc pas de problème. On continue avec le numéro 4. Attention, qu'est-ce qui t'a rendu triste ? Elle me demande, allez-y, on passe du direct, encore une fois, à l'indirect. Alors Amla qui nous rejoint, bonjour Amla, qu'est-ce qui se passe? Bonjour prof, ben oui, bonjour Amla, juste pour vous regarder, je ne participe pas parce que je suis en retard, pas de problème Amla, ne vous stressez pas, on est là et on est là demain aussi, pas dimanche, dimanche. Je fais une pause, je ne suis pas une machine. Alors voilà, effectivement, je crois que c'est Cosmina qui était la première. Cosmina, oui, d'accord. Alors l'idée ici, hein, c'était un petit peu de jouer avec le passé composé. Et donc ici, bah, la première partie ne change pas vraiment. Elle me demande. La deuxième partie, ce qui m'a, c'est-à-dire que vous êtes obligé de transposer, bien sûr. Ça n'est plus ta, mais c'est m'a rendu triste. N'oublions pas ici que a rendu, hein, ça reste toujours à la troisième personne du singulier, donc a rendu, vous n'y touchez pas, c'est juste le pronom qui se transforme en de ta, enfin te, en me, et donc vous mettez l'apostrophe. Elle me demande ce qui m'a rendu triste. Allez, on finit avec le numéro 5. Qu'est-ce qui a choqué ton fils? Mais qu'est-ce qui a choqué ton fils? Elle me demande, allez-y. Allez, on regarde ensemble, et effectivement ici, donc elle me demande encore une fois, même point de départ, ce qui, ça ne change pas, donc c'est relativement systématique, a choqué, bien sûr, encore une fois, ton fils doit être transposé, et vous allez dire mon fils. Elle me demande ce qui a choqué mon fils. Voilà, bah écoutez, vous allez devenir des spécialistes, hein, pour la transposition du direct à l'indirect, et je dis bravo. Alors Yulia nous en parlait, elle nous en parlait, et c'est pour ça aussi que j'en parle finalement, les années 60, c'est Louis de Funès qui règne effectivement dans la comédie, alors c'est pas le seul, mais en tout cas, il est très très important, et Louis de Funès nous propose effectivement le deuxième, ça c'est mon préféré des Fantômas, Fantômas contre Scotland Yard, il est incroyable. Alors, le grand thème de notre journée, le grand thème de notre cours aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc vous savez que cette semaine, et peut-être un petit peu la semaine prochaine aussi, nous nous concentrons sur, et bien sur les temps. On va faire de la conjugaison parce que c'est important. Donc aujourd'hui, c'est l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif, on va commencer bien sûr avec les verbes réguliers du premier groupe. Les verbes réguliers du premier groupe, nous prenons systématiquement, parce que nous essayons d'être systématiques à chaque fois, le verbe parler, d'accord? Verbe extrêmement régulier. On y va avec la première chose. Singulier s'il vous plaît, verbe parler, je, tu, il, elle, on, à l'imparfait de l'indicatif. Allez-y s'il vous plaît. Excusez-moi, si j'ai oublié cousin, ben ça n'est pas grave, vous l'avez vu. Alors ça commence à arriver, c'est très bien effectivement. Donc notre radical sera parle, P-A-R-L. Ça va être notre radical. Et après nous allons mettre les terminaisons. Les terminaisons pour je, AIS, je parlais. Terminaison pour tu, la même chose, AIS, tu parlais. Terminaison pour il, elle, on, troisième personne du singulier. AIT, il parlait, elle parlait, on parlait. Encore une fois ici, vous remarquez qu'avec les terminaisons, nous avons phonétiquement une seule forme. Je parlais, tu parlais, il, elle parlait. C'est la même prononciation. Allez, on continue avec le pluriel. Le pluriel, s'il vous plaît, écrivez-moi. Nous, vous, il, elle au pluriel. Toujours l'imparfait de l'indicatif. Une petite seconde, Nicolas arrive. Eh bien voilà, quel sportif ce Nicolas. Nicolas aujourd'hui a couru pour l'UNICEF. Il y avait un organisme, enfin quelque chose d'organisé. Il a couru pour l'UNICEF et il a fait 11 tours et chaque tour faisait 1 km. Oh, 11 km, quel sportif. Bravo mon Nicolas. Alors regardons ensemble. Le radical, c'est bien sûr parle, toujours P-A-R-L. Parle. Terminaison. La terminaison pour nous, eh bien ça sera IONS, nous parlions. D'accord? La terminaison pour vous sera IEZ, vous parliez. Et la terminaison pour il, elle au pluriel, AIENT, il parlait, elle parlait. Donc je vais vous répéter pour que ce soit bien clair. Je parlais. Tu parlais, il, elle, on parlait. Nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Donc, singulier, je parlais, tu parlais, il parlait. Pluriel, il, elle parlait. C'est la même forme, d'accord? Phonétique, bien sûr. On écrit différemment. Donc, trois formes phonétiques. Parlait, parlions, par lié. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et finalement, bien sûr, il faudra vous souvenir de la façon de les écrire correctement. Allez, on va attaquer les phrases maintenant. Merci à Sherilyn. Sherilyn a résumé l'histoire en 4 images, mais Sherilyn a oublié les pompiers. Vous devriez mettre les pompiers à la fin qui viennent pour éteindre l'incendie peut-être. Les verbes participe passé infinitif. On continue, hein. So we'll continue with this exercise. Remember that we only miss, oh, not a lot, maybe 2 to 3 likes, hein, but anyways. Allez, parlez. Please write me the infinitive. Merci. Alors, Olga nous rejoint. Bonjour Olga, comment ça va? Et Juan aussi. Don't forget to click on the like because we will soon hit and reach the 100. As soon as I can see it, because sometimes you tell me, yeah, it's 100, but then I really want to see it with my eyes. Allez, Evelyne nous rejoint. Evelyne, click on the like. We're getting close, close, close. Alors, oui... Sherilyn, I don't know what it's blocking you, Sherilyn, when you put the stuff. I need to unlock. But it's okay. I do it with great pleasure. Alors, parler was the past participle, and so we're looking, of course, for the verb parler, infinitive E-R-P-A-R-L-E-R. So we'll do some simple ones now, so I hope it will be fast. Participe passé, can you write me the infinitive, please? Merci. Et oui, c'est formidable, c'est formidable. Merci beaucoup. Sans, maintenant, on se concentre sur nos exercices. Allez. Alors oui, hein, infinitif, finir, so we agree that the verbs from the second group, in fact, are extremely simple. When you go for the past participle, you just need to remove the final R and then you will get your past participle. Finir, fini, choisir, choisi, unir, uni, etc., etc. So let's have a look now. Numéro 3, U. This one you should definitely know it, so go for it. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Olga! Et oui, joyeux anniversaire Olga, bravo, 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 félicitations pour votre anniversaire, profitez de votre anniversaire, c'est très important. So let's have a look at the infinitive is avoir, obviously, this one you should definitely know it by heart. So let's have a look at numéro 4, and numéro 4, past participle is été. Could you please write me the infinitive? Alors, effectivement, c'est être. Hein? So this one also should be quite clear and you should remember it by heart. Remember that être is quite interesting because when it goes for the conjugation in the compound tenses, you will use avoir. Hein? So keep that in mind. You don't say je suis été, which is a common mistake, but really you go for avoir. J'ai in the present été. So if this is the passé composé that you want to build. Let's have a look at the last one, and the last one is écrit. Can you please write me the infinitive? Merci. Alors, is it possible to still remember conjugation by heart if the heart is broken? I don't really know. I think that, well, if the heart is broken, it can go in the head straight, I guess, but I'm not sure about that. And in that case, the verb was and is, écrire, third group, remember to write it properly, accent aigu, C-R-I-R-E, voilà. Merci beaucoup. Allez, la dictée de nombres, on attaque directement avec la première chose et on y va. Première chose, premier chiffre, je dis 5. Allez-y. Allez, Caroline qui nous rejoint. Caroline, souvenez-vous que... vous cliquez sur le like, c'est votre façon de nous dire bonjour. Alors on commence assez facilement effectivement, donc c'est 5. Hein. 5 c'est assez clair. On continue avec le deuxième. Le deuxième ça veut dire bien sûr 2 chiffres. Mohamed, bonjour, comment ça va Mohamed ? Mohamed, on n'oublie pas de cliquer sur le like. Et maintenant, vous écoutez, Mohamed, attention, 2 chiffres. Je ne le prononce qu'une seule fois. Et c'est 87. Allez-y. Alors, Cosmina nous quitte. Au revoir, Cosmina. Et à bientôt. Et joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à Cosmina et à toute sa famille. Alors effectivement, hein, c'est très très bien, pas de problème, nous sommes d'accord qu'ici c'est 87. 87, eh bien vous l'écrivez 8 et 7, pas de problème. Continuons joyeusement, joyeusement avec le numéro 3. Le numéro 3, il y aura bien sûr 3 chiffres. Attention, je ne le prononce qu'une seule fois. 902. Allez-y. Alors oui, c'est parfait, c'est parfait. Vous pouvez être très très fiers de vous. Je dis bravo, bravo, c'est magnifique. 902, 902, pas de problème. On va continuer avec le numéro 4. Bien évidemment, nous avons 4 chiffres. Attention, c'est toujours la même chose, une seule lecture. 5712. Allez-y. Et oui, très très bien. Félicitations. Là, alors là, je dis bravo. Bravo, vous êtes devenus des spécialistes. 5712, 5, 7, 1, 2. Pas de problème. Pour le moment, tout est formidable. Attention. Numéro 5, ça veut bien sûr dire 5 chiffres. 48 675. Allez-y. Eh oui, eh oui. Alors attention, Hilary n'était pas assez généreuse. C'est pas grave, Hilary. C'était juste, faites attention, regardez Hilary. C'était pas 14, mais c'est vrai que vous, c'est assez proche, mais c'était 48, d'accord? Le reste, c'était bien, pas de problème, d'accord? Donc c'était juste, Hilary, la première partie. Les autres, ça avait l'air d'être assez correct, en fait. Faites attention, hein. Donc, oups, Olga, c'était pas 715, c'était 660. D'accord, mais c'était pas loin. Le 48, Olga, c'était parfait. Alors, je les prononce. Hein. 48 675. 48 675. 48 675. On continue avec le numéro 6. Je vois Stella. Stella, bonjour. Stella. Quand on arrive, on clique sur le like. Merci Stella. Attention, numéro 6. Numéro 6, ça veut dire bien sûr 6 chiffres. Et je vais le prononcer une seule fois. Attention.